Voyons, quel jour sommes-nous? C'est très important de savoir exactement la date, le jour, l'année, le temps qu'il fait. Tout cela est d'une importance capitale. Il ne s'agit pas de laisser cette époque historique vous filez entre les doigts. Ah. Je devrais me raser. Mars. 15 mars 1947, non. 46. Demain, ça va faire 6 mois que j'ai foutu le camp d'Europe. Il y a 1 an, donc, j'étais encore à Buchenwald. C'est assez marrant. Je devrais me laver, m'habiller, sortir dans la rue, marcher. Un peu d'exercice, ça fait du bien. 15 mars 1946. Dans 54 ans, ça va faire 2000 ans. On vieillit, on vieillit. Patron! Ah, ne vous frappez pas. Ah, je ne me frappe pas, ils peuvent tous crever. Ah, bah, ils crèveront tous, patron. Mais ne vous frappez pas, car bientôt le Seigneur va prendre sa plus grande colère et tout balayer ici-bas. Les mers, les continents, les dromadaires et les sauterelles. Les dromadaires, oncle Nat, pourquoi donc les dromadaires? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer le sort des classes ouvrières? Les dromadaires, depuis des milliers d'années qu'ils ruminent. Nous sommes ici pour bâtir un monde nouveau, un monde meilleur. Nous ne sommes pas ici pour ruminer. Ils seront balayés. J'ai toujours dit que nous allions vers une rapide extinction des classes moyennes. Ah, ils seront balayés avec les brins d'herbe et les pauvres nègres. Et il ne restera plus rien ici-bas que la terre molle et épluchée. Mais ne vous frappez pas, patron. Ah, je ne me frappe pas. Car dans la grande nuit sans lune, dans le grand silence sans feuilles, le Seigneur se mettra alors à marcher sur la terre, recréant de toutes pièces un monde nouveau, plantant là une forêt, là une violette, créant là un lion et là une fourmi sauvage, et là-haut un nénuphar au bec pointu. Ah non, le nénuphar, oncle Nat, n'est pas un oiseau, c'est une plante aquatique. Ah, je ne dis pas bonjour, je ne dis rien. Je suis en colère, vous me devez 3 mois de loyer, et je refuse d'attendre davantage. Vous me payez ou vous partez. Caruso, entre Européens. Ah, les injures maintenant, je suis monsieur, un citoyen américain. Depuis 2 ans, je vous défends de m'insulter. Caruso, quand au milieu de l'océan déchaîné sur un radeau minuscule, vous ramassez le survivant famélique d'un bateau torpillé, irez-vous lui réclamer le prix du passage? Je ne m'intéresse pas aux droits maritimes. J'ai besoin de 48 heures pour dégarpir des lieux. Ah,
Ben, ça ira encore plus mal, patron. Ne vous frappez pas. Bonjour, tout le monde. Allons donc. Ça fait 6 mois que je vous trouve chaque matin, tapis dans votre trou. Trop lâche pour vous lever, trop fatigué pour vivre. Ça fait 6 mois, patron, que vous vivez dans un pays vraiment libre. Vous n'avez même pas mis les dehors pour voir à quoi ça ressemble. Je m'en doute. Courage, patron. Il faut tenter de vivre. Nous ne sommes pas à Buchenwald. Ce n'est pas Buchenwald que je trouve horrible. Ce n'est pas Belzen que je n'arrive pas à oublier. Ce que je ne me pardonne pas, ce n'est pas Dachau, cette ville de 30 000 habitants vouée à la torture, mais le petit village à côté, où les gens vivent heureux, travaillent dans les champs et respirent l'odeur du foin et du bon pain chaud. Ce village est allemand, patron. Nous ne sommes pas responsables. Nous habiterons tous. Nous habiterons tous le village à côté. Ils ont des livres, nous écoutons de la musique, nous faisons des plans pour passer les vacances à la mer, nous habitons tous le village à côté, la conscience. Ce n'est pas une question de kilomètres. Allons donc. Et pourquoi croyez-vous que nous nous sommes battus? Pour défendre la paix de notre village et les jeux de nos enfants. Et maintenant, nous voilà de retour à la maison. Et le sourire bête et fat est de retour sur nos lèvres, pareil au charognard qui revient toujours perché sur la même branche. Et qu'importe si les 3/4 du monde sont toujours un immense camp de morlante, un grand Buchenwald, un Auschwitz des familles, pourvu que brille le soleil dans notre village d'à côté. Cessez, patron, cessez de méditer sur les misères du monde. Mais plutôt faire un brin de toilette, là. Ça vous fera du bien. Où est le savon? Ah, nous menons une vie très simple, biblique. Où est le savon? Il y avait bien un morceau de savon sous l'armoire, mais les rats ont fini par le bouffer. Je renonce. Vous n'avez qu'à cuire dans votre jus. Mais vous avez tort. Ce n'est pas la première guerre qu'on gagne, après tout. Je vous ai apporté des provisions. Patron, vous n'avez rien mangé depuis 24 heures. J'ai assez mangé. J'ai mangé comme tremble la terre, comme souffle le vent, comme boit la mer. Écoutez, j'ai mangé la douce lumière du jour qui se lève, Belzen et Buchenwald, le petit village à côté et ses pêcheurs à la ligne. Et j'ai mangé tout le pain sec des prisons. Écoutez! Tous les champs de coton et les plus grandes usines du monde et tous les contes jolis qu'on murmure à l'oreille des enfants et tout l'espoir qu'on donne aux hommes et toutes les fleurs qu'on appelle sauvages parce qu'elles poussent librement. Écoutez-moi, écoutez, j'ai mangé comme on refuse de se rendre, comme on dit adieu à l'aube. Mais lorsque je finis, j'avais très faim encore. Et il y avait encore sur terre beaucoup, beaucoup à manger. J'ai englouti alors Notre-Dame, et les verts pâturages, et tout le bon pain blanc, et Roméo et Juliette. Mais j'avais faim encore. Et il y avait toujours sur terre beaucoup, beaucoup à manger.
Je me suis mis à pleurer alors, car je n'en pouvais plus. Mais j'avalais encore Wall Street. Fort. Et Dupont de Nemours. Et toutes les troupes d'occupation. Et les manuels d'histoire. Et 20 000 tonnes de bombes en une seule nuit sur une seule capitale. Et 20 siècles de civilisation. Croyez-moi. J'ai mangé comme jamais homme n'a mangé sur terre. Mais lorsque j'ai fini, je vis qu'il restait encore de quoi crever de faim. De guerre et de mépris, de honte, de bêtise et d'espoir et d'amour et de beauté et de ferveur infinie pendant des millénaires. Alors, les bras me sont tombés. Le cœur m'a manqué. Je n'avais plus faim. J'avais trop mangé. J'adore les intellectuels. Je file. Je vais poser pour cette réclame de soutien-gorge. Nu ? Les seins seulement. Tada ! Quelque chose à boire. Pour ton vieux père. Mon vieux père a assez bu comme ça. Au revoir, mon papa chéri. Ouais. Si j'étais une jolie fille comme ça, si j'avais un noble vieux père comme moi, il ne serait pas cireur de chaussures. Il serait vêtu de lin blanc. Il lirait la Bible toute la journée, assis dans un grand champ de coton, tout de blanc vêtu parmi les moutons. Hein, je sais comment je ferais si j'étais une jolie fille bien roulée comme ça. Oncle Nat. Oui, patron. Passez-moi un sandwich. J'avais le courage de mes idées. Je ne mangerai plus. Personne ne mangerait plus. L'humanité entière fera la grève de la faim pour protester contre l'époque, contre la haine, contre la peur et le silence, contre ce village heureux et paisible qui dort en marge de la misère du monde. Ah ! Si on avait le courage de ces idées. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, patron ? Rien, je rêve. On pourrait même lancer un de ces grands mouvements humanitaires avec de très jolis slogans comme « Ah bah l'isolationnisme des consciences pour une humanité solidaire et indivisible, unissez-vous !» ou bien « Pas de race, pas de classe, pas de pays, un seul souci, l'espèce !» Nous voulons que une communauté de souffrance sorte, une communauté d'action. Ce ne sont pas les slogans qui manquent. Une grève de la faim pour protester, pour réclamer du pain, de la lumière et de la chaleur pour tous. 800 millions d'hommes meurent de faim, et vous ? Là, patron, ne vous frappez pas. Donat. Oui, patron. Je viens d'avoir une idée de génie. Eh bien, tu es là dans l'œuf. Ah, je ne la connais pas, votre idée, mais elle ne me dit rien qui vaille. Une prodigieuse affaire. Écoutez-moi attentivement. On va rire. Thank you.
mon vieux chien. Grimberg. Quoi? Je hais les gens qui appellent leur chien Pluto. Depuis combien de temps t'as cette sale bête? Bah, depuis 2 ans, depuis que ma femme m'a laissé un mot disant qu'elle partait avec un journaliste qui avait du talent. Eh bien, depuis 2 ans, tu aurais pu t'apercevoir que ton chien, c'est une chienne. Mais obsédée sexuelle, mes relations avec Pluto sont entièrement platoniques. De quelle race est-elle? Poupa irlandais, fox à poil mou, juif allemand. Oui, il n'a pas de sang nègre, c'est tout ce qui compte. Non, en cherchant rien. C'est un arien, je n'ai pas qu'il prouve. Le nombre total des victimes de la dernière famine au Bengale se monte déjà à 4 millions. Combien de victimes ont-ils eu l'avant-dernière fois? Mais le Bengale, c'est un joli pays, mais les Indes, c'est bien loin. L'humanité, c'est bien plus loin. Et il faudra vous y faire, mon ami. C'est la loi de l'apesanteur. Il n'y a plus de doute. Dieu est mort. Un jour, il s'est couché entre un mammouth épuisé et un dinosaure à l'étang. Et le lendemain, aucun de trois ne s'est réveillé. Ce nègre devient fou. Son sang noir lui monte à la tête. D'ailleurs, je trouve qu'un certain vent, un vent très fort de défaitisme, souffle dans cette salle de rédaction. On ne peut pas exagérer. Les choses ne vont pas si mal que ça. L'humanité s'est traînée jusque-là. Elle se traînera plus loin encore. À genoux d'abord, puis à quatre pattes. Et ensuite à plat ventre. Ce qu'il faut au monde, c'est une belle et pure figure. Un guide, une figure de proue. Un fureur. Bah, elle s'est traînée jusque-là, d'accord, mais on se demande bien pourquoi. Pour que demain, la trace ne sait pas. Mais à quoi ça lui servira, imbécile? L'humanité est une patrouille perdue. Mais tout n'est pas perdu. Il nous reste encore quelque chose. Mais quoi donc? La révolte. Ah, j'ai toujours su que c'était un anarcho-syndicaliste. Le jour se lève. Voilà tout ce qu'on mérite. La nuit. Une nuit noire, froide et sans sucre. Comme le café des mauvais lieux. Et voilà tout ce qu'il y a de nouveau. Le jour qui se lève. Bah, c'est un peu maigre, hein, pour... La première émission. En arrangeant un peu. Par exemple, le jour monte au-dessus comme un... Oui, bon, d'accord. Mais c'est trop défaitiste hein, pour l'édition du matin. Le jour vient avec du café chaud et des Lucky Strikes. Il y a un vieux nègre, messieurs, qui demande à être reçu. Mais quel genre de nègre? Un très vieux nègre, vraiment le plus vieux nègre que j'ai jamais vu vivant, messieurs. Ben, qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il a un événement sensationnel à vous proposer, messieurs. Il dit l'événement le plus sensationnel de ces 2000 dernières années. C'est étonnant de voir un si vieux nègre si tôt le matin. Il faut dire des noirs, c'est plus poli. Afro-américain, ça change tout, tu comprends? Bon, allez, fais-le entrer. Bonjour, messieurs. J'ai eu vent d'une nouvelle sensationnelle, une nouvelle tout à fait sensationnelle et exclusive, messieurs, qui risque fort d'intéresser vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, messieurs. Un crime? Mieux que ça. Il y a un homme à Harlem qui meurt de faim. Sans intérêt. Il y a des millions de types qui meurent de faim dans le monde. Si vous croyez qu'on parle de chacun d'eux dans les médias, moi-même j'ai crevé de faim à New York. Ça n'intéresse personne. On commence toujours par crever de faim à New York, jusqu'au jour où on fait crever de faim les autres. Ça s'appelle réussir. Oui, mais celui-ci, il meurt de faim volontairement. Comment ça, volontairement? Il fait la grève de la faim. Pourquoi ça? Attendez, je l'ai noté quelque part. Ah, voilà. Pour protester contre la grande misère du monde, pour rendre enfin aux hommes le goût du sacrifice et leur montrer la voie, pour réveiller, dans notre époque avilie, un grand écho de solidarité et de fraternité humaine. Gandhi! Le Gandhi de New York, ça sonne bien? C'est un nègre? C'est un blanc. Un européen? Le blanc Mahatma, prophète de Harlem. La croisade.
C'est la fin d'un gène intellectuel et européen. Un homme fait don de sa personne à l'humanité. Devant vous, tel que j'échappe une fois de plus à 20 siècles de chrétienté. Regardez-moi bien, mes frères. Je suis plus maigre, avec moins de poils sur la poitrine et sur la gueule qu'il y a 20 000 ans, mais à part ça, il n'y a rien de changé à ma misère. Vous, monsieur, peut-être la communauté nègre des États-Unis voudra-t-elle faire quelque chose pour le pauvre Européen, éternellement bafoué dans ses besoins les plus humbles, pillé dans ses droits les plus élémentaires, et tellement seul dans la haine universelle que tout chien qui rend la queue à sa vue est un frère pour lui. Avez-vous des questions à me poser? Que pensez-vous du problème blanc aux États-Unis? Je pense qu'il prend des proportions inquiétantes. Le croyez-vous susceptible de solution? Non. Mais je crois fermement que si on lui laisse le temps, c'est un problème qui se supprimera de lui-même. Et que pensez-vous du problème nègre? Je suis un ami sincère du sionisme, ce grand mouvement humanitaire qui proclame haut et ferme le droit de tous les réfugiés palestiniens de retourner enfin dans leur foyer européen. Du reste, vous pouvez ajouter qu'en tant qu'Européen, j'admire énormément la délicatesse avec laquelle la question nègre est traité aux États-Unis, sans jamais aller aux excès de Dachau. Et ce n'est pas une bonne façon de parler à nos téléspectateurs ou aux auditeurs. La voix du peuple est un média respectable. Nous avons même plusieurs blancs parmi nos abonnés. Eh bien, dites-leur que je suis l'ambassadeur extraordinaire du vieux monde. Dites-leur que je suis la colombe, le rameau d'olivier. Oui, je vole vers l'Amérique comme la colombe vola vers l'arche après le déluge. Dites-lui que je suis l'homme moderne, l'homme nouveau, issu de la guerre, libre, puissant, victorieux jusque dans la moelle des os. Vers l'Amérique, comme la colombe vole vers l'arche après le déluge. Avez-vous une petite amie? Elle a été tuée dans le Pacifique. Qu'est-ce qu'elle faisait dans le Pacifique? Je me le suis souvent demandé. Peut-être pourriez-vous me le dire. Peut-être était-elle dans le corps féminin?
Elle était dans les fusiliers marins. Enfin, qu'est-ce qu'elle faisait dans les fusiliers marins? Que voulez-vous qu'une jeune femme bien se tout rapport fasse avec des fusiliers marins? Quelle est la signification de votre geste? Mes actes ne sont pas des gestes. Je ne suis pas un intellectuel. Qu'est-ce que vous êtes alors? Je n'en suis pas très sûr. Et vous? Moi, la seule chose dont je suis sûr, c'est mon numéro de téléphone. Mais quel est selon vous l'avenir de la civilisation? Les civilisations n'ont pas d'avenir. Elles n'ont pas de présent non plus. La seule chose qu'elles aient, c'est un passé. La civilisation, c'est quelque chose que l'humanité dépose sur ses rêves à force de couler. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a qu'à continuer à couler. Une trace, une faible trace de rosée qui tremble sur les feuilles de l'aube. Je suis la trace. Je suis la rosée. Quel est votre but? Tous les dons sont reçus avec reconnaissance. Mon but est l'indépendance pour l'Europe, la liberté absolue pour ma patrie européenne. Réalisez donc votre unité d'abord, l'indépendance viendra ensuite. Avez-vous des convictions politiques? Oh, mais vous me prenez pour un homme libre, ma parole. Vous venez pourtant de gagner une guerre. Ah, quand une guerre est gagnée, ce sont les vaincus qui sont libérés, pas les vainqueurs. Vous arrive-t-il quelquefois de pleurer sur le sort des hommes? Mes larmes sont toutes mortes. Mortes? Comment ça, mortes? Mortes de quoi? Les larmes sont des gosses de riches. Hein. Elles ont la santé bien délicate. Il leur faut un toit au-dessus de la tête, une bonne soupe le soir, des pantoufles et la bouteille chaude au lit. Alors elles deviennent fort belles et dodues. Et il suffit d'un rien. Une dent creuse, un chagrin d'amour pour les faire sortir de leur coquille. Mais de l'heure de guerre, de père en fils, raser leur maison, coller-les dans un camp de concentration, chasser-les dans le maquis. Et les voilà qui se font une petite erreur. Les voilà qui se mettent à mourir comme des mouches. Et vos larmes à vous, de quoi sont-elles mortes? Il y en a une qui fut tuée en Espagne, dans les brigades internationales. Une autre périt en Grèce. Une vieille larme idéaliste. Il y en a qui sont mortes à l'Ebouine, c'était toutes des larmes juives. Une autre a été lynchée à Détroit parce qu'elle avait du sang nègre. D'autres périrent à Stalingrad et dans la RAF. Et d'autres encore furent fusillés comme otages à Châteaubriand. Et d'autres massacrés à Sétif. Et me voilà, maintenant, tout seul. Sans une larme, pareil, moins à un homme qu'un bout de bois mort. Et quand sera-t-il la prochaine fois? Oh, la prochaine fois, il sera un caillou. Un caillou qu'on jette dans le gouffre pour voir si c'est profond. Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal.
The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner. The revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on reports from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. Chère Tulipe, permettez-moi au nom de tous les intellectuels européens réfugiés aux États-Unis et au nom de tous les citoyens de couleur de ces pays de vous dire, chère Tulipe, la joie et la fierté que nous éprouvons à vous recevoir parmi nous. L'exemple de ce noble jeune homme est particulièrement significatif pour nous autres employés de la société des wagons-lits et chemins de fer panaméricains à responsabilité limitée. Alors nous avons décidé aujourd'hui de vous offrir ce joli bouquet de piments rouges comme gage de notre résolution de venir en aide à nos frères européens sans distinction de race, de sexe ou de religion. C'est une chose que je voulais vous dire. Que je ne le reçois plus aujourd'hui. Je me retire pour méditer. Une soif. Je
quelles sont les nouvelles? Le blanc Mahatma de Harlem. Ah, par la force qui me fit nègre, patron, voilà. Bel et bien lancé. En quelle page? En sixième. Les cinq premières pages sont entièrement vouées à la reconstruction des démolitions. Continue! Plusieurs jeuneurs se sont manifestés chez Ford, Dupont de Nemours et dans l'usine atomique du Colorado. Le Science publia un long éditorial intitulé « Une nouvelle forme de sabotage européen ». Et vous y êtes simplement traité de socialiste. Et demande de la cinquième colonne européenne. Ils vont même jusqu'à exiger l'arrestation et l'expulsion immédiate de Tulip et de ses complices. Autre chose. Comme d'habitude. De Saint-Louis. Cher Tulip. J'aime un GI et il m'aime. C'est un héros. Il a gagné le Purple Heart en Europe en se battant pour la liberté. Il s'appelle Billy Rabinovitch et il veut m'épouser. Mais ses parents refusent leur consentement parce que j'ai du sang nègre dans les veines. Je suis d'une bonne famille. Mon frère a été tué dans le Pacifique par les chiens jaunes. Nous avons pourtant fait cette guerre pour en finir avec les discriminations raciales. Pouvez-vous m'aider ? Bon, ma chère enfant, n'hésitez pas davantage. Envoyez-moi votre cotisation et devenez ainsi membre de mon grand mouvement d'émancipation humaine dont le seul nom est un gage de justice et de solidarité. Prière pour les vainqueurs. PPLV. Ma foi, patron, vous avez trouvé un bien joli nom pour votre œuvre. Ça serait venu tout seul, de même, comme un soupir, ils l'ont trouvé. Encore une lettre, patron. Monsieur, une vraie victoire ne se remporte pas sur l'homme, mais sur l'ennemi de l'homme. Vous qui êtes pour l'homme une sorte de haut-parleur, surtout ne croyez pas que nous sommes dupes de votre geste. Mais au-delà de la grimace, nous croyons déceler une figure humaine avec son expression de détresse éternelle et d'humble imploration. Et si nous vous écrivons aujourd'hui, c'est pour vous dire seulement que lorsque tout sera dit et que le rideau tombera sur votre farce, nous viendrons dans les coulisses pour vous serrer la main. C'est signé un groupe d'anciens combattants américains. Oui, patron. Tu m'aimes toujours? Oui, patron. Je ne te dégoûte pas? Pas plus que d'habitude. Je suis un cochon. Oui, patron. Je le savais, tu ne m'aimes plus. Mais si, patron, mais si. L'amour, ça prend aussi les cochons. Et bien voilà assez. Un cochon de plus ou de moins dans le monde. Ce n'est pas ça qui empêchera le rossignol de chanter. Ah, l'humanité n'a pas été créée uniquement pour servir de public au rossignol. Bah, c'est ce qui vous trompe, patron. Je sais très bien comment ça s'est passé. Le Seigneur a créé le rossignol. Et il lui a donné une très jolie voix. Et lorsqu'il a eu sa dernière plume, je pense, il s'est envolé jusqu'à la première branche et il s'est mis à chanter « Turlutu, turlutu, turlutu !» 247 nuits de fil, il a chanté comme ça, le rossignol. Et puis, un jour, il est devenu tout triste. Et il s'est tu. Et le Seigneur lui a dit « Eh bien !»
bien, Rossignol. Je t'ai donné la plus belle voix du monde et tu ne t'en sers pas. C'est du joli. J'irai loin avec ma création si tout le monde faisait comme toi. Mais, grand-père, à quoi ça me sert d'avoir une si jolie voix s'il n'y a personne pour l'écouter? Il y a moi, lui a dit le seigneur d'un ton légèrement vexé. Grand-père, c'est pas drôle. Avec vos moyens, vous chanterez demain, comme moi, si l'envie vous en prend. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Et alors, il a eu cette idée. Ça pour une idée, c'était une idée. Et voilà pourquoi l'homme a été créé, patron. Pour fournir un public au Rossignol. Ce n'est pas un verre d'eau qu'il nous faudrait. Oh, c'est un déluge. C'est pas un verre d'eau qu'il nous faudrait. C'est un déluge. Oh, ça sert à rien, les déluges aussi, patron. Et il y a toujours un Noé quelconque qui fabrique une arche et hop, ça y est, tout est à recommencer. Non, ce qu'il nous faudrait, c'est la révolte. La révolte, patron, c'est notre chant du rossignol. Mais en cette saison humaine, nous ne sommes pas encore mûrs pour la révolte. Juste bon pour la résignation. Regardez autour de vous. Le monde est plein de veuves, de blessés, d'orphelins. Bien imaginez qu'un vainqueur nouveau s'abatte sur ce monde prostré, qu'il viole les veuves, qu'il achève les blessés, qu'il tue les orphelins. Savez-vous ce qui se passera? Que se passera-t-il, Jonathan? Eh bien, les blessés qu'il achèvera pousseront des hurrah! Les veuves se feront violer avec dévouement et les petits orphelins, avant de se faire tuer, lui offriront des fleurs. Et qu'est-ce qu'il manque alors? La pitié. A-t-il reçu des offres pour des cinémas? A-t-il un violon d'âme? Quels sont ses projets pour l'avenir? Ah! Il parle de créer un grand journal d'opinion dans tous les pays du monde, entièrement voué au redressement des torts. Il a l'intention de donner à son mouvement d'émancipation humaine un caractère plus nettement politique, plus agressif même. Il discute longuement de la création de milices humanitaires. Il a l'intention d'armer toute une jeunesse impatiente et enthousiaste, mais surtout impatiente de faire quelque chose de réellement nouveau. Ah, et combien de victimes prévoit-il ? Chut.
servez-vous. Cette main vient d'accomplir un geste historique. Un jeune nègre de Virginie m'a amené une brebis. Tondez-la, mon maître, me suppliait-il. Tondez-la de votre propre main, au nom de tout l'Occident. Je l'ai tondue. Et quelle est la signification de ces gestes? La solidarité absolue de tout ce qui souffre et meurt. J'ai là ce qu'il leur faut. La fin et le commencement de tout le grand mouvement idéaliste, une victime. Nous avons une petite question à vous poser. Le temps est venu pour un monde sans questions. Pour un monde tout vibrant d'une seule et infinie réponse. Je suis la réponse. Voici la question. En voilà 3 semaines que vous poursuivez votre jeûne et quelques journaux s'étonnent à juste titre de vous voir en excellente santé. Avez-vous une explication à donner? Mon jeûne n'est pas intégral et chaque fois que j'aperçois autour de moi quelques signes avant-coureurs d'un renouveau spirituel, matériel et moral, je mange un peu pour célébrer l'événement. Qu'est-ce que c'est? Vous venez d'entendre la vache sacrée que j'ai reçue des Indes. Un gage de fraternité et de chaude compréhension du peuple hindou. Je veux voir l'avenir de l'homme. Hélas, patron, d'autres ont essayé avant vous. Je veux essayer, moi aussi. Alors, vous voyez quelque chose? Rien. Je vous l'avais bien dit. Ah, ça y est. Oncle Nat, je vois. Qu'est-ce que vous voyez? Je ne vois rien, et vous? Je vois celui qui mourra sur la croix et celui qui, parti d'Espagne, découvrira un monde nouveau. Patron, vous vous trompez de côté. Je prends seulement un peu de recul. Ouais, mais regardez en avant. Je regarde. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. Rien? Alors, c'est mauvais, mais tenez, je vais vous aider. Vous voyez les peuples unis, la lune à portée de toutes les bourses, le cancer aboli et le rossignol sur toutes les branches, dans toutes les poitrines. Je ne vois rien. Un grand rien. Je vous en prie, patron, faites un effort, c'est tout à fait capital. Oh, ok, je fais un effort. Cherchez bien. Je cherche. Sur les branches, patron, sous les feuilles. Il n'y a pas de branches, oncle Nat, il n'y a pas de feuilles. Toutes les forêts ont brûlé. Sur une île déserte, alors, au milieu de l'océan. Les océans, oncle Nat, ont tous débordé, merci bien, il y en a partout. C'est rien, patron, c'est rien, il faudrait bien plus qu'un océan qui déborde pour empêcher mon rossignol de chanter. Écoutez bien. J'écoute. Il est sûrement quelque part à chanter au milieu du désert, c'est plus fort que lui. La terre entière, oncle Nat.
est comme une patate brûlée. C'est rien, ça, patron, c'est rien. C'est la bombe atomique. C'est pas ça qui empêchera le rossignol de chanter. Fouillez-moi toutes les forêts vierges. Les forêts vierges, Clonat, il n'en reste pas une brindille. Elles sont allées rejoindre les grandes capitales. Et les Andes, patron, et la fameuse cordillère. Mais il ne reste pas un caillou. Et l'Himalaya. Ah, Mazette, Clonat, comme vous y allez vite. Ah, l'Himalaya est là. Il tremble un peu dans sa gencive et il est tout noir, mais il tient bon, hein. Les neiges éternelles ont fondu. Des carcasses d'animaux à demi calcinées, des troncs d'arbres brûlés jonchent ses flancs. Montez encore, patron. Montez. Les flancs, pour nous, c'est d'une importance secondaire. Visons tout de suite les sommets. Non. J'ai du mal à respirer, l'air se fait trop rare. Faites un effort, patron. Respirez un grand coup d'abord. Comme ça. Comme ça. Maintenant, allez-y! Montez! Je vois quelque chose. Ah! Un arbre. Ou Clonat. Il y a là un arbre, debout. Tout nu, sans une feuille, mais avec toutes ses branches. Et s'il reste quelque part une branche intacte, patron, tous les espoirs nous sont permis. L'humanité n'en demande pas plus. Regardez bien. Il est sur mon dessus. Aïe, il est dessus, au Clonat. Je le vois à présent. Je vous l'avais dit. Il fait une drôle de tête, par exemple. Il y a de quoi. Ses ailes sont toutes roussies. Bon, il reste donc des ailes. Son regard, ses yeux ont une expression de presque humaine imbécilité. Bon, il lui reste donc des yeux. Il tremble encore et il s'accroche sur sa branche comme s'il avait peur de tomber. C'est qu'il tient la vie. Ah, son bec est ouvert et des cris affreux sortent de sa gorge. Il chante, patron. Il chante. Nous sommes sauvés. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Nat, je suis là, patron. Qu'est-ce qui vous arrive? L'humanité court tout droit à l'abîme. La Terre, soulagée, ne tournant plus pour personne en particulier. Rappelle-toi, Homo sapiens, l'univers t'avait accueilli avec un masque de chaos. Clonat ? Patron, je suis toujours là. Il me vient une idée de génie. Quoi, encore une ? Comment ne pas y avoir pensé plus tôt ? La seule chose à faire, je vais arrêter l'humanité dans sa course folle. Le caillou qui voulait arrêter une avalanche. Mais je vais lui rendre sa confiance ! Dans son destin ! Je vais commencer une grève de la faim pour protester contre la condition humaine qui sonnera comme un cri de ralliement. Oh là là, le rossignol s'est saoulé de sa propre chanson. Je suis la patrouille perdue qui s'avance dans le No Man's Land. Et encore une patrouille de foutus. On vous entend à peine, patron. Mangez un peu. Votre voix sera plus forte. Ce n'est pas de ce souffle que naîtra la tempête. La faiblesse appelle mieux à la révolte que la force, et la liberté naquit d'un sourire ou d'un soupir, je ne sais plus. Ne vois-tu pas que le masque est tombé? Ne sais-tu plus distinguer un visage d'homme d'une grimace? Ne sais-tu pas que d'un trop grand mensonge jaillit toujours la vérité? Ne sais-tu pas que Dieu naît de chaque blasphème? Comment as-tu pu à tel point douter de moi? Mais je n'ai jamais douté de vous, patron. J'ai seulement douté des autres hommes. On ne peut pas croire aux hommes et vivre. On mourrait à chaque instant, le cœur brisé. Mais je crois aux hommes. C'est la plus vieille des superstitions. Je donnerai aux hommes la lumière
et ils continueront à tourner dans le noir. Vous leur donnerez la parole et ils vous insulteront. Vous leur donnerez l'ouïe et ils n'entendront que le bruit et la fureur. Ben, c'est trop tard, patron. Oh. Mais je crois aux hommes. Ils ne me laissent jamais seul. Et c'est pourquoi je vous convie aujourd'hui à la naissance d'une tempête. Non point d'une de ces tempêtes bénignes qui balaient les forêts, arrachent les maisons, font déborder les océans comme des coupes trop pleines. Non, j'invite à une vraie tempête humaine. Ici Radiodiffusion Atlantique, nous continuons notre reportage sur la réception de Tulip par la municipalité de New York. Il est impossible de voir la silhouette chétive de l'Européen grimper les marches de l'énorme escalier. Oh, il reçoit un bouquet de fleurs d'une petite fille. Il embrasse. C'est très touchant. Vous entendez les acclamations de la foule. Ici, la Radiodiffusion Atlantique, aujourd'hui 42e jour de la croisade de fin de Tulip. Vous allez entendre maintenant un message du jeune heureux européen aux affamés du monde. Je vous rappelle auparavant que ce programme vous est offert par les automobiles Lord. Souple, économique. Rapide. La voiture lourde travaille, elle aussi, pour le bonheur du genre humain. Gardez-moi bien, car je suis l'étincelle qui va mettre le feu à l'Occident. L'heure de la révolte a sonné. J'appelle à moi toutes les bonnes volontés humaines. Tout est à renouveler dans notre patrie humaine. Les cœurs, les esprits, le matériel roulant. Vous avez construit des voies ferrées extrêmement rapides et qui durent encore. Trouvez des lumières dans le sommeil. Soleil lui-même ne se doutait pas. Et une poudre qui tue les mouches. Vous avez imprimé plus de livres que vous n'en brûlerez jamais. Face aux collectivités aveugles, je veux libérer enfin toute la force cachée de l'individu. Comme tous les dimanches, je vais vous lire un extrait du livre afin que nous puissions méditer ensemble. Verset 14, page 241. Prenez un bon morceau de culotte bien grasse. L'art est là de lardon et ajoutez quelques couennes. Ajoutez vin blanc, un demi-verre d'eau, ail, sel, poivre. Et laissez mijoter jusqu'à ce que la viande soit très tendre. Une civilisation qui, en 2000 ans de son histoire, n'a pas réussi à chasser la misère, la haine, la violence de son sein, ne mérite pas autre chose qu'une fin immédiate. Une action énergique s'impose. Hésitation n'est permise. Toute abstention est une trahison. Choisissez l'amour. Choisissez moi. Je veux encore élever ma voix. Je veux porter plus haut ma protestation.
Méfiez-vous, nous avons un ami haut placé. Quand votre ami haut placé paiera 15 000 dollars de caution, on verra. La société demande une rançon. Tout allait si bien. J'avais déjà 6 costumes complets à carreaux avec une fleur différente à chaque boutonnière. Oh, quelle ville! On commence par me faire une réception officielle. La ville entière m'acclame, les petites filles m'offrent des fleurs, je reçois 50 demandes en mariage par jour, et même une offre de Hollywood. Et du jour au lendemain, on me roue de coups, et on me jette en prison. Si j'étais plus jeune, si j'avais encore la prétention de comprendre, si je croyais encore que c'est la raison qui préside aux actions des hommes, en un mot, si 2000 ans d'une histoire mouvementée ne m'avait rien appris, et ma foi, je vous aurais demandé des explications. N'essayez pas de faire le malin. Ce n'est plus la peine. Ce pays, vous avez accueilli avec confiance et générosité. Mais enfin, vous devriez avoir honte. De quoi m'accuse-t-on ? La liste est longue. Vous n'avez qu'à lire les journaux. And watch TV. Pour commencer, vous avez pénétré sur le territoire des États-Unis avec des papiers faux et sous un nom d'emprunt. Je m'appelle Tulipa. C'est un nom que j'ai pris dans le maquis, et le sang que j'ai versé a donné à ce nom un accent de vérité. On ne connaît ni le lieu ni la date exacte de votre naissance. Je suis né à Buchenwald, sur la capitale de l'Europe, en 1945, première année de ma libération. Quel âge avez-vous donc ? 2000 ans ! Vous vous moquez de la justice. Sur le bateau, vous avez signé la déclaration habituelle, affirmant que vous n'aviez pas l'intention de modifier par la force les institutions politiques de ce pays. Ah, c'est exact, je suis très disposé à attendre qu'elles s'écroulent toutes seules. Vous, j'en avais fini de vous. De moi, mon maître, mais je ne suis qu'un pauvre indigène européen sous-alimenté. Je fais le malin, je grogne, mais en fait, je suis à vendre. Voulez-vous m'acheter ? Montrez-moi vos dents. Ah, pauvre Yorick, je n'ai plus rien, j'ai tout perdu dans les bombardements. Ah, le cynisme, c'est tout ce qui leur reste. Et si vous preniez aux hommes leur cynisme, avec quoi vont-ils se défendre ? Êtes-vous patriote ? Ah, profondément. Nationaliste. Jusqu'au bout des ongles. Que pensez-vous du capitalisme ? Quelles sont ces voix que j'entends monter vers moi depuis la terre des hommes ? Ce sont nos collègues qui chantent des cantiques pour les détenus. Il y en a un qui a tué sa femme et ses 5 enfants. Il est un peu triste. C'est pour lui faire plaisir. Il y a un arbre de Noël et une jolie petite crèche. Chacun recevra un cadeau. Êtes-vous un ami de l'ordre ? Mon maître, chaque fois que je croise une banque, je le suis, parole d'honneur. Que lui reproche-t-on, enfin ? Vous avez poussé la population de ce pays à la résistance. Vous avez provoqué une vague de grève dans nos usines. Vous avez essayé de ralentir notre production, de saboter notre consommation et de nous pousser ainsi pieds et poings liés vers l'ennemi. Nous courons droit à l'abîme. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas ? L'abîme ! On ne tombe jamais profondément, on se débleue, on ne se tue pas. Le monde est plat, la vie est plate, il y a des trous, il y a des bosses. On ne se tue pas, on se cogne, on ne se noie pas, on patauge. L'abîme est le rêve insensé des hommes habitués à un enfer de platitude. Ce n'est pas tout. Vous avez réclamé la réunion des États-Unis à l'Europe, la suppression des océans administratifs et la révision de nos manuels d'histoire. Mais ce n'est pas tout. Vous avez, sous un déguisement ridicule, fondé un soi-disant en partie, un mouvement, hein, de bonté et de popularité, dont le seul but est d'arracher à nos bouches le fruit amer de nos victoires et dont l'emblème est une tulipe noire sur un fond d'azur. Pourquoi cette réelle différence entre vainqueurs et vaincus, entre noir et blanc, entre l'Europe et les États-Unis ? Ne caressons-nous pas les mêmes chiens ? Nos forêts murmurent dans un autre langage, ne mangeons-nous pas la même viande rouge des bêtes que nous avons tuées ? Les nobles, buvons-nous pas le même vin ? N'avons-nous pas tous au ventre la même peur de mourir ? Et lorsque nous mourrons, n'allons-nous pas tous nulle part, comme vous ? La même rosée palpitante ne monte-t-elle pas chaque soir sur nos fleurs les plus humbles ? Ah ! N'essayez pas de m'égarer ! Je vous préviens tout de suite ! C'est un mauvais système de défense ! Je ne me défends pas ! J'accuse !
Respectez ces murs. D'honnêtes assassins ont pleuré ici. Les prostituées, sérieuses et laborieuses. Les pickpockets, modestes et pères de famille. Ah, les murs sont bons, hélas. Ils ne tomberont pas. Eh, ça dépend, patron. Si vous en faisiez cette fois le tour avec une trompette, comme vous l'avez fait à Jéricho. Ah, c'est trop tard, je suis déjà en première page de tous les journaux. Mais le Seigneur ne lit jamais la première page des journaux. La première page des journaux est réservée au désespoir, au cynisme, à la haine. Ça ne l'intéresse pas particulièrement. Qu'est-ce qui l'intéresse alors, oncle Nat? Oh, toutes sortes de choses peuvent arriver. Les hommes se mettent à mourir, à ressusciter. Vous vous souvenez? Non, je me souviens de rien. La terre tremble, les volcans explosent, de faux messies font de vrais miracles. C'est l'aube. C'est l'aube. Nous n'avons encore obtenu aucun aveu significatif. Si on essayait la manière douce. C'est ça. La manière douce avant toute chose. C'est mon principe dans le métier. Écoutez-moi, mes bons amis, nous avons passé la nuit à nous quereller et bientôt le jour sera là. Tâchons de nous comprendre, tâchons de nous aimer. Pourquoi ne nous diriez-vous pas en quelques mots toute votre histoire? C'est une vieille histoire d'amour et qui n'intéresse plus personne. Mais j'adore les histoires d'amour, surtout lorsqu'elles sont un peu tristes. Prenez n'importe quel ennemi public numéro 1, vous trouverez toujours un jupon. C'est elle, n'est-ce pas? Et que vous importe son nom? Oh chienne! Oh vipère! Oh bête inassouvie que nulle créature vivante n'est assez ignoble pour qualifier la coucher avec le bourreau! Elle m'a livré à la famine! De toutes les putains aux cuisses rougies par l'usage, elle est celle qui se vendit le mieux, le plus souvent et le moins cher. Et tout le pavot rouge et tous les sels blancs du monde ne sont que valeurs aimables auprès du feu qui ravage son sang. Ce n'était pas moi. C'était une autre humanité de passage. Une humanité de rencontre. C'était une patrouille de maraudeurs perdus. Lorsqu'en 1450, j'avais écrit que la terre était ronde et qu'elle tournait et que des moines affreux me jetèrent sur le bûcher, tu étais là, à danser autour des flammes. Et lorsque les langues rouges commencèrent à me lécher les pieds, tu étais là et tu jetais des branches humides et des pommes de pin couvertes de rosée afin que le feu craqua mieux. C'est elle. Elle s'est trahie. Mais vous n'allez tout de même pas vous disputer pour une histoire qui s'est passée entre vous en 1450. Oh ciel vide. Oh ciel bête témoin indifférent de ma honte immémoriale. Oh ciel des moucherons. N'as-tu pas honte? Regarde-moi, je suis le bâtisseur des cathédrales. L'inventeur de la poudre, le constructeur des ponts. C'est moi qui ai planté le pain et tiré le vin de la vigne. Je sais comment trouver mon chemin d'après les contes et jouer du violon. Je suis l'homme. Enfin. Papa. C'est son père. Nous tenons enfin quelque chose de précis. Ne sais-tu pas que je suis le seul, avec le singe et la gazelle, à pleurer avec de vraies larmes humaines? Ignores-tu que tout a été créé pour moi, et pour moi seul? Lorsque je quitterai cette terre, les fleurs mourront de chagrin, comme des maîtresses délaissées. Le chant du rossignol s'étendra, peu à peu, comme la voix de l'acteur devant une salle vide. Les sources ne chanteront plus. La terre ne sera plus ronde, Dieu n'existera plus. As-tu pensé seulement au triste matin où il n'y aura plus personne pour ouvrir la fenêtre au jour qui se lève? Je l'ai beaucoup aimé. Il avait tissé pour moi des vêtements de laine et de soie, planté la rose pour mes cheveux
de l'avenir pour ma joie. Vous m'avez donné un ciel au-dessus de la tête, et un peu plus haut encore, un dieu d'amour et de beauté. J'entends des voix. J'entends des voix qui montent vers moi depuis la terre des hommes. Vous n'avez pas mis assez d'amour à me créer. Et c'est pourquoi je n'existe pas encore tout à fait. Ben, celui-là doit être mon chef de bande. N'essayez pas de nous agarrer. Nous savons parfaitement qui vous êtes. D'ailleurs, on parle de vous dans le journal. L'anarchiste escroc international Tulip est expulsé des États-Unis avec son complice, l'apatride allemand Nathanson, très populaire dans certains milieux sous le sobriquet de Oncle Nat. Avant la guerre, ce dernier était bien connu des Américains de passage à Paris. On le trouvait généralement à Montparnasse, au Dôme ou à la Coupole. Il s'offrait toujours de faire visiter aux touristes les mauvais lieux. À New York, il vivait maquillé en nègre, afin, disait-il, de mieux marquer ma solidarité avec les nègres américains. Vous voyez, c'est pas la peine, vous êtes repéré. Je me suis trompé. Et mon destin est d'errer éternellement dans mon ciel vide, parmi les étoiles mortes d'une voie lactée qui ne mène nulle part. La terre est un conte de nourrice, et l'homme est un espoir qu'on donne à Dieu pour l'aider à porter son manteau de solitude. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous donc? Qui êtes-vous donc? Ah, je suis un très vieil apatride. Quel est votre nom exact? Quel est votre nom exact? Je n'en ai pas. Allez, les hommes m'avaient bien donné un nom autrefois, mais ils l'ont oublié. Adresse! Adresse! Ah! Dans quelques cœurs. Hein? Sans domicile fixe. Profession. Profession! Cireur de chaussures! Ah, les hommes se sont servis de moi pour bien des besognes, hein, pour conquérir Jérusalem, combattre le Turc, soigner les lépreux, construire des cathédrales. Maintenant, ils m'utilisent pour cirer leurs godasses. Mais je le fais de bon cœur! Bienheureux enfin qu'ils m'utilisent pour des besognes pacifiques. Voilà les bulletins levés de coups, la caution a été payée. Par qui? Par le comité des secours et bienvenue aux intellectuels européens réfugiés. Mais on a l'ordre d'attendre les jours et de les conduire directement au bateau. Dès que celui-ci sera en port, sous bonne escorte. La foulée ou les maritimes. Le mandatar vous embarquera, vous et vos claques, sur un joli bateau. Et adieu. Bon débarras. Vivement le matin. Un faux messie. Une putain qui se prend pour l'humanité. Un vieux nègre qui se prend pour Dieu. Votre place n'est pas dans une prison honnête. Sans vous, ce doit être l'entracte dans le monde des hommes. Battue en me traitant de sale négresse. Les nègres m'ont craché dessus en me traitant de putain blanche. Faut-il vraiment que nous vivions pour rien, Seigneur, pour en être réduit à mourir pour quelque chose? Les blancs m'ont battue parce que je n'aime pas les blancs.
Les nègres m'ont battu parce que je n'aime pas les nègres. Les juifs m'ont battu parce que je n'aime pas les juifs. Les blancs, les nègres, les juifs m'ont battu parce que je n'aime que les hommes. Il ne manque plus qu'un moyen de transport. Mais où irez-vous, patron ? Nous irons vivre loin de la société, quelque part, dans les solitudes polaires. Oui, patron. Nous aurons un igloo, des chiens fidèles, des enfants qui n'iront pas à l'école. Oui, patron. Le matin, je partirai à la chasse au phoque et je reviendrai le soir, épuisé, mais heureux. Oui, patron. Le sport, ça fait du bien. Une fois par mois, nous nous rendrons dans nos traîneaux rapides au village esquimaux voisin, à 500 000 de notre igloo. Ils ignorent les discriminations raciales et nous vivrons et mourrons heureux. Nous vivrons et mourrons heureux. C'est ça, patron. Ne vous frappez pas. La neige purifie tout. Le grand froid. Nous serons enfin purifiés. Les hommes, patron, ça ne se purifie pas avec de la glace, mais avec du feu. Il coule entre nos doigts, comme de l'eau pure. Le bateau sera là dans quelques minutes, on se contente de vous refouler en Europe. En Europe, on n'accepte pas les apatrides. On ne voudra pas de vous en Palestine, parce que tout le monde sait que vous avez du sang juif. Tu as mes papiers. Ignaz Mahler, musicien de Nuremberg. Passeport français. Jules Tétard, garçon de café, Paris. Ah, bonjour, Jules. Je m'appelle Jules Tétard. Un passeport français, voilà ce qu'il faut pour vivre en Europe. Rien à faire. J'ai fait 4 ans de maquis en France. Justement, patron, vous êtes indésirable. Je suis allée au consulat ce matin. On vous refuse le visa. Retenez-moi. Je sens que je vais éclater cette bague d'absurde en un milliard de fragments obscurs. Et cette fois, je vais personnellement à ce qu'aucun d'entre eux ne devienne une étoile. Le bateau, préparez-vous. Mais où voulez-vous que j'aille? Je n'ai pas de visa. Je suis un apatride. Personne ne veut de moi. On m'appelle partout une personne déplacée. Vous n'allez pas me chasser du radeau. Vous n'allez tout de même pas me jeter à la mer. Je vais chercher l'escorte. La foule! Bien quoi, la foule? Ils les réclament. Enfin, les hommes m'ont reconnu. Les hommes viennent, enfin, pour m'acclamer. Ils viennent pour les peindre.
J'ai pas très bien compris pour quelle raison. Comme s'il leur fallait une raison pour pendre un homme. Il y a une partie qui crie, c'est un trotskiste. Une autre, c'est un communiste. Une autre, c'est un fasciste. Une autre, juif. Une autre, il paraît qu'il a du sang nègre. Mais ils sont tous d'accord pour les pendre tout de suite. Oh. Race, traîtresse, des hommes, couleur, perfide. Froid, débile, moi qui t'ai prise dans la chaleur de mon sein, que le choléra te pénètre, que le pire destin soit le tien, que tes femmes soient velues et chauves, que jamais ne manque le pain à tes lèvres, la vigueur à ton corps, puisses-tu demeurer dans la nuit des temps comme la plus pure clarté qui soit jamais montée à la face du soleil. Vous me bénissez encore au lieu de me maudire. Que tes mères boivent tes villes et tes champs, et que le dernier Noé coule avec son arche, et que seul un âne surnage pour compter ton passé. Ô prostituée stérile, aux entrailles, par le mal de Naples pourri. Que jamais ne manque à ta nuit la voix du poète, et que soit toujours ton excuse et ton pardon. Je peux pas. Je l'aime trop. Je sens que je perds la tête. Vous n'auriez pas une photo de vous? Jaune sur le ventre pour les distinguer de nous. Ils ne seront plus un peuple, plus une race, plus une tribu. Ils ne seront plus qu'une souffrance atroce. Et leur martyr le plus horrible sera peut-être de vouloir y échapper. Ils nous ressembleront tellement, pétris de notre propre misère, qu'éternellement nous nous acharnerons contre eux. Pour les gratter, pour les effacer de cette terre, pour détruire enfin et jusqu'au dernier ces miroirs fidèles de notre propre et insupportable laideur. Patron ! Dépêchez-vous. Et voilà qui lui vient des ailes à présent. Et vous les voyez aussi? Et vous? Deux. Blanche. Ne nous affolons pas. C'est un bluff journalistique. Dis donc, la foule.
Partez pas. Restez avec moi. Pauvre petite. Mais qu'as-tu donc à m'offrir? Ce que les femmes ont toujours offert aux hommes. Non, 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 non. Ce n'est vraiment ni l'endroit ni le moment. Ce que les femmes ont toujours offert aux hommes. De vous garder sur terre. De vous protéger contre eux. Ces trop grands amours qui nous guettent tous. De vous croiser un bon petit amoureux sur cette terre où les bons petits trous sont rares. Et de le défendre de toute ma ruse, de tous mes ongles, de tout mon corps chaud. Le petit bonheur à deux, ce n'est pas là un bonheur à ma taille. Qui vous parle de bonheur? Je vous parle seulement d'amour. J'ai beaucoup aimé l'humanité. On ne peut pas l'aimer tout entière. On peut l'aimer dans un homme ou dans une femme. Comme on aime toute la terre dans une fleur ou Dieu dans un château. Un coup monté. Il se donne la réplique. La salve d'honneur! Je suis celle que tu aimes. Je suis l'humanité. Regarde-moi. N'ai-je pas le même visage? Te manque une certaine hideur. Non, tu n'es pas l'humanité. Ah, soyons calmes, soyons très calmes, soyons réalistes, c'est un film Paramount. Je reviendrai. Un jour, je te retrouverai. Serais-vous seulement me reconnaître? Quel signe? Tenez, patron. Vos papiers d'identité, ils sont faux, ça peut toujours servir. Et, prenez une valise aussi, on ne sait jamais. Non, on ne sait jamais. Ce foulard, couvrez-vous bien. Il me tiendra chaud. Ce bouquet d'hortensia, pour vous rappeler la terre. Et puis, cette photo de Buchenwald, pour vous rappeler les hommes. Et voilà le toit qui s'envole à présent. Je sais, maintenant je sais, c'est la fin du monde. Et le voilà qui devient un ange et s'envole vers le ciel. Hollywood! Hollywood! Revenez, patron! Revenez! Il y a de l'amour! Il y a de l'espoir! Et vous oubliez votre pauvre vieux nègre, patron! Ne l'abandonnez pas! Dites-lui que nous sommes! Dites-lui, patron! Je vous le dirai! J'ai longtemps erré sur les traces de l'humanité. Ces villages détruits dans des climats sans tornades. Ces champs piétinés dans des plaines où les éléphants sont rares. Ces enfants égorgés dans des rues où les lions aussi sont rares. Ces villes écroulées sur une terre qui tremble rarement. Mais j'ai été battu partout.
venir. On m'a même trouvé un nom nouveau. On m'appelle maintenant en bas une personne déplacée. Ça veut dire que je suis un peu juif, un peu chrétien, un peu nègre, un peu français, et pas du tout rassuré. Peut-être que les honorables puissances célestes pourront faire enfin quelque chose pour le pauvre bonhomme éternellement bafoué, piétiné dans ses rêves les plus paisibles, méprisé dans son sang, humilié dans sa sueur, et tellement seul dans la haine universelle que tout chien qui remue la queue à sa vue est un frère pour lui. La terre se couvre, les petits oiseaux me suivent toujours. J'aurais dû emporter des miettes. On oublie toujours quelque chose. Je le dirai simplement. Thank you.